Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit chez vous. Je suis votre bien-aimé, le docteur Vincent Meba Vision. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous sommes ici pour célébrer cette messe d'action de grâce, vu ce que l'Éternel a fait comme étant merveille au sein de la grande famille. Aujourd'hui, nous sommes venus dire merci à Dieu qui nous avait prêté maman Bitya Mambu, Luzolo et Genia, maman de plusieurs et surtout grand-mère de plusieurs. Aujourd'hui, c'est le jour où nous disons merci à Dieu. Après, ici à la basilique, nous serons au cimetière de Bruxelles pour l'enterrement. Donc, nous vous laissons suivre ces images et grâce à la coopération de Meba Vision ainsi que l'œil de Lyon, nous l'appelons Richard Cœur de Lyon, Richard Mong. À suivre, et c'est maintenant que ça commence sur Meba Vision. Notre grand-mère d'amour, nous n'oublierons jamais tous les bienfaits que tu as faits sur cette terre. Merci de nous avoir donné cette force et ce courage d'endurer cette épreuve durant toute ta convalescence. Grâce à toi, nous l'avons surmonté jusqu'à ce jour où le bon Dieu a décidé de te reprendre. Ta vie s'est arrêtée là, mais ton souvenir reste présent. Ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie, malgré les hauts et les bas. Nous avons tous eu cette chance et cette grâce indescriptible d'avoir été dans ta vie, que l'on soit enfant, petit-enfant, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis. Tu nous as donné une très bonne éducation royale, puisque tu fus toi-même princesse. Même si tu n'avais pas de palais, pas de château ou autre, tu nous as appris de bonnes valeurs. Nos vies peuvent en témoigner d'elles-mêmes. Tu nous as surtout appris la sagesse et le discernement. À toi, mamie Coco, nous t'aimons tous, encore une fois, merci. Repose en paix. Nous remercions tous les personnels qui ont bien pris soin de mamie Coco avec ses caprices à la résidence Arcadia, à Molenbeek, à l'hôpital Saint-Pierre et à l'hôpital César de Bar de Bruxelles. Donc encore une fois, merci pour votre présence, merci dans tout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Puisqu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins, je me prépare à te lâcher la main. Je me prépare à te lâcher la main comme un drapeau hissé très haut. Je lève les yeux sur notre amour et je garde en moi tous nos cadeaux. Je garde en moi tous nos cadeaux. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, juste un nouveau départ. Ce n'est pas un adieu, seules nos mains se séparent. Nous allons nous revoir. Bonjour, je suis Céliane, chanteuse, auteure et compositrice depuis de nombreuses années. Si vous auditionnez ce chant, c'est que vous êtes sensible, voire concerné par un événement douloureux, imminent, présent ou passé, lié à la perte d'un être cher.
J'ai un secret, celui de croire que rien non jamais ne nous sépare tant que je porterai notre mémoire. Le chant que vous écoutez, comme tous ceux que je compose, est la traduction en mots et en mélodie d'une de mes expériences de vie. Ce n'est pas un adieu, seules nos mains se séparent, nous allons nous revoir.